Bande d'enfoirés. Bon les gars, oui, boss. On va danser mes petits. La danse est le popo. La danse est le popo. Elle le popo. La danse est le popo. Elle le popo. Elle le popo. Danse est le popo. Elle 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 le popo. La danse est le popo, la danse est le popo, la danse est le popo, et le popo, danse le popo, la danse est le popo, la danse est le popo, la danse est le popo, et le popo, et le popo, danse le popo, la danse est le popo. Salut, salut les quatre-aspireurs et les quatre-aspireuses. J'espère que vous allez bien. Oui, aujourd'hui nous sommes à la veille de l'épisode 9. Cet épisode encore, je sais, a beaucoup surpris les gens. Déjà sur deux aspects. Premier aspect, tout le monde attendait. Il sait que j'attendais la suite du Quatano. Vous aurez beaucoup de suite. Mais avant d'arriver au Quatano, il fallait qu'on fasse ancrer une catégorie de personnages qui devait déjà faire son apparition. Il s'agit des chasseurs de primes. Et vous l'avez vu, vous avez déjà vu avec Zalan, un des chasseurs de primes. Mais il y a d'autres. Et surtout avec tes révélations de fin d'épisode. Oui, c'est comme ça. La guerre des empereurs, ça chauffe de partout. Pour vous donner du loup, du cré loup, on doit mettre les pions un peu de partout. Mais désolé, vous ne savez pas que le Quatano revient d'ici peu. Déjà, merci toujours de continuer à nous suivre tous les samedis à 17h. De liker, de commenter, de donner vos points de vue, de donner vos suggestions, ça nous aide franchement et grand merci encore, nous sommes une famille, on peut s'envoyer des mots, on peut s'engueuler, on peut tout faire, c'est toujours un mot, c'est pour le bien de ce qu'on veut, déjà. Merci. Et continuez à nous suivre. On vous a promis du loup et du loup en route. Du loup est là. Sans souci. Merlin, je sais que tu es vaillant et courageux. Mais tu n'es qu'un simple soldat. Et les informations importantes ne sont pas à ta portée. Mais j'aimerais te dire ceci. Le rêve ultime de tous les empereurs, c'est de posséder le pouvoir de la reine des empereurs. Et je suis sûr que le message de Koulak a un rapport avec cela. Bon, pour ce deuxième volet, il était question la semaine passée, la vidéo précédente, on a fait part d'un sondage qui était de soit 13 minutes par semaine ou 26 minutes par toutes les deux semaines. Un sondage qui a vraiment amené beaucoup de participants, beaucoup de personnes participer, beaucoup de points de vue, beaucoup de réponses qui n'allaient pas dans l'encontre, mais c'est toujours bien de dire ce qu'on pense. Et de cela, une certaine résolution a été prise. Peut-être que ça risque de surprendre beaucoup de personnes. Mais on pense, on a essayé de trouver quelque chose qui peut arranger tout le monde. Déjà, vous savez, je fais pas d'ici depuis que la guerre des empereurs, scénaristiquement pensée, est créée sur deux saisons, deux grandes saisons. Et la première saison est prévue pour 26 épisodes. C'était prévu d'avoir pour 26 épisodes. Déjà, nous sommes rendus au 9e. Et vu que les choses ont déjà beaucoup avancé, beaucoup ont déjà tourné, si on a fini, ce qu'on est déjà calé, ce qu'on va faire, ce qu'on a prévu de faire, c'est à partir de la mi-saison. C'est-à-dire à partir du 16e épisode,
passé, tout. Ils vont que l'affrontement, quoi tant non, tout ce qui se passera, la chute jusqu'à peut-être au 15e épisode. Et à partir du 16e épisode, pour les 10 derniers épisodes de la première saison, on va vous donner un épisode de 20 minutes par semaine. 20 minutes par semaine, déjà pour finir la première saison qui a été pensée depuis. Avant le temps de revenir, peut-être la deuxième saison, on ira à 26 minutes, comme chacun de moi. Mais pour la première saison, c'est ce qu'on va faire. Passer déjà, tout déjà passé tourner jusqu'à 15 épisodes. Tout déjà analyser le combat, tout. Ce qu'on prend, les arcs sont signés. Jusqu'à peut-être 15 épisodes, et ce qui fait que à partir du 16e épisode, on vous fournira 20 minutes par épisode pour terminer les 10 épisodes de la première saison. Bon, soyez patients. Soyez patients pour un départ. Au cours de cet épisode, vous aurez vos 13, vos 15, vos 16, ça va varier. Mais déjà, à partir du 16e épisode, nous serons à 20 minutes. C'est ce qu'on sait. Et à certaines personnes, il a commenté 20 minutes par semaine. Bon, on a vu que le relax, c'est un format qui peut même aller. Mais déjà que la première mi-saison a été tournée jusqu'à la fin du Quota Noir, tout ce qui se passe a été déjà enregistré, tourné. Les gens ont pensé qu'au 15e, à partir du 16e épisode, on vous rebondira avec 20 minutes par épisode. Je pense que cela, c'est un premier accord qui va satisfaire tous les camps, parce que d'autres se plaignent que 13 minutes par semaine, c'est court. D'autres jusqu'à 26 minutes, 2 semaines, c'est long pour être diffusé. Nous, on dit que 13 minutes, 26 minutes par semaine aussi, c'est beaucoup pour nous. Bon, dans un mélange, un combat encore à partir de chaîne tournage, on va s'arranger à ce qu'à partir de vous aurez 20 minutes. Ça, c'est l'information primordiale que nous avons à vous annoncer. Bon, de là, au 15 épisodes, test 6, vous allez encore souffrir dans nos 13, 14 qu'on va vous donner. Nous sommes une famille, on a dialogué, on a coulé. C'est ce qu'on peut faire pour cette saison. Peut-être que la deuxième saison, maintenant, on a vu ce qu'il faut. Et on pourra aller jusqu'à 26 minutes par épisode. Déjà, merci pour tous ceux qui ont participé au sondage, merci pour tous ceux qui nous ont suivis, merci pour tous ceux qui ont déjà nous suivi. C'est du bon. Grand merci. C'était l'information et nous sommes ensemble. Le chasseur de primes. Aux 7000 têtes. Derrière moi! Bande enfoiré! Bon les gars! Oui, boss. On va danser mes petits! Et pour terminer, on va dire ceci. Je pense que la solution a été trouvée à notre problème, le temps. Au niveau technique, on va se douter un peu du meilleur matériel, tout ça, pour vous satisfaire. Et déjà, je tiens encore vraiment à vous remercier. Et cela dit, je vous exhorte, vraiment, chers fans, chers publics, chers participants, à ne pas oublier notre challenge, 1 million de vues par épisode, qui est vraiment très important. Et c'est quelque chose qui est possible. Nous, on vous demande beaucoup de choses. On vous demande ce qu'on va vous dire. C'est au moins un partage, si c'est possible. Un partage. Nous partons dans les 40 000 vues par épisode, 40 000 par épisode, 40 000 vues par épisode. Déjà, si vous, nous sommes dans. Nous tirons 28 000 abonnés, 29 bientôt. On vous dit merci. Merci déjà pour tous ces abonnés. On sait que
deux personnes s'abonnent parce qu'on n'a invité personne. Mais on demande vraiment si vous êtes abonné à notre chaîne, c'est parce que vous nous faites confiance, vous aimez ce qu'on fait. On vous demande vraiment de faire un partage, c'est très important. Parce que je sais que vous êtes 15 000, vous êtes 20 000. On se fait 40 000 vues par épisode. C'est après avoir visionné. Il y a une petite flèche là, à la fin, vous avez visionné. C'est un petit partage, vous cliquez sur ce partage, on va vous proposer soit sur Facebook, soit sur WhatsApp, soit sur Instagram, partout sur les réseaux sociaux. On vous demande juste de faire ça, un partage dans vos groupes WhatsApp, dans vos groupes Facebook. C'est important pour nous. C'est important pour nous. Et déjà, il y a un lien. Il y a un lien que vous allez voir en description. C'est le lien WhatsApp, le lien du groupe WhatsApp. Je vais le mettre en description. Tous ceux qui veulent intégrer le groupe WhatsApp des fans, tous ceux qui veulent intégrer le groupe WhatsApp des fans, vous n'avez qu'à cliquer là-bas et à partir du téléphone. Tous ceux qui regardent sur mobile, vous cliquez là-bas et vous allez vous retrouver en train d'intégrer le groupe WhatsApp des fans de Quata Spirit. Je pense que là, c'est encore plus facile. Bon, je capture juste un partage. Quand vous êtes là, vous finissez de voir si vous appelez cette flèche. Vous êtes près de 10 000, vous êtes près de 15 000. Quand vous faites une flèche, chacun a 10 personnes. Je pense qu'un épisode, d'ailleurs, vous allez partager dans vos WhatsApp, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Ça peut donner 10 vues. Et déjà, après étant 10 000 à 15 000, là déjà, on sait que vous avez, on aura ce million de vues facilement. Parce qu'on ne peut pas atteindre ce million de vues sans vous. C'est vous qui nous faites. Merci encore. Et nous sommes ensemble. Rendez-vous à l'épisode 10, qui je vous promets, sera encore très super. Merci. Voilà celui qui va s'occuper de Vicky, la salope au couteau. Thank you.